le voici. Croustillant de rhubarbe sauvage. Bonjour, Machoun. Salut. Bachelier S-Lettre et principal clerc de Maître Carotta. Avouez. L'odeur du linge propre qu'on repasse se mêle à celle du café qui fume et le sourire de ma mère. Vous m'avez fait peur. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés. Non, 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 il faut que tu sois plus théâtral, plus imposant, quoi. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui peuvent nous frapper les yeux. L'Afrique ? Oui, l'Afrique, j'y ai passé toute mon enfance. Il y a des scolopendres géants en Afrique. Des quoi ? Des scolopendres, des mille pattes. Ils sont très dangereux. Ah oui, des mille pattes, j'en ai vu souvent. Je ne supporte pas ces bestioles, ça me rend malade d'angoisse. Enfin, c'est loin l'Afrique. Il y en a en France aussi. Des sortes de petits bâtons beiges, presque transparents, avec plein de pattes partout qui courent à toute vitesse sur les murs. Mais les petites bêtes ne mangeront pas les grosses, hein. Mais taisez-vous, Émilie ! Taisez-vous ! Mais réponds-moi, dis quelque chose, bordel ! J'ai peur, voilà, ça te va ? J'ai peur ! Parce que je me rends bien compte qu'on a l'âge où il faut avoir des minots, se poser, s'installer, former une famille. Mais moi, je suis un gamin, comme tu dis. J'ai 15 ans dans ma tête. Et avoir un minot, pour moi, ça veut dire l'assumer. Et l'assumer, ça veut dire changer de travail. Et si je change mon travail, tu me changes moi. Et c'est moi que tu aimes. Les gens, il faut les affronter. Mais ça fait 15 ans que je les affronte, les gens! Ça fait 15 ans que tu les fuis! Ok, c'est sûr, je rêve. Je suis en train de rêver. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ok. Vous comprenez, j'aurais pu vous tuer! Et est-ce qu'il est proche de toi en ce moment? Je sens qu'il n'est plus très loin. C'est trop beau, je rêve. C'est moi, n'est-ce pas? Mathilde, je suis un de ta vie. Je te jure que je suis prêt à tout pour faire ton bonheur. Toi, tu ne crois pas? Si, mais toi, c'est différent. Comment ça, différent? Je suis pas assez sportif et élégant, c'est ça? Si, mais toi, tu es mon petit papa chéri. Papa? Je suis ton père? Il me faut un éclaircissement et je l'aurai jamais! Quand je devrais vous en demander raison! Bon papa! Quand je devrais vous en demander raison! Papa! Malheureux! C'est ton père! Ça alors c'est trop fort. Le jour où je rencontre la femme de ma vie, il faut qu'elle me prenne pour son père! J'arriverai pas à la convaincre de commettre un inceste. Hein. Verse de Sérazade, genre de souveraine à la flippant. Mais son champagne est bon. Encore une rasade, et si j'en crois son œil flippant, bientôt le camarade m'embrassera sans façon. Elle a un drôle de petit nez, la soubrette. Est-ce qu'il a été fabriqué dans ce pays ici? Le champagne? Non, ton nez, tu es de Châteauroux? De la Châtre. Ah, tu es de la Châtre. Gaillarde. Verse rasade. Drôle de petit museau. Calme-toi. Déjà, c'est quoi cette démarche? Une démarche de fille, non? D'accord. Parce que tu trouves que moi, je marche comme ça? À peu près. Mais n'importe quoi. Bon, écoute, on va se recentrer là. Et puis, oublie pas qu'on est lundi matin. Hein, et pas vendredi soir, donc tranquille, t'es pas hyper. Je suis... Je ne sais comment dire cela. Je suis d'une faiblesse extrême avec le beau sexe. Oui, dès qu'une femme me regarde d'une certaine façon en m'appelant EZ, je sais être un homme. Je deviens un feu d'artifice. J'ai du rougeri dans les veines. J'apprécie votre bonne volonté... Sophie, mais je vous ai demandé tous ces détails par pure spéculation. Hein. Je vais être dans l'obligation de résilier mon abonnement. Il se trouve que je suis tombé amoureux très récemment d'une jeune fille et n'ai plus besoin de vos services.
Bien sûr, j'acquitterai les paiements en retard. J'espère seulement que notre partenariat ne vous laissera pas un trop mauvais souvenir. Voilà. Je joue de trac. Qu'est-il ? Père ! 2 pièces ! Ah, j'ai gagné ! Non, 21 sous, vous avez perdu ! 2 pièces, c'est paye ! 21 sous, c'est un paye ! Non, monsieur ! Si, monsieur ! Non, monsieur ! Si, monsieur ! Non, monsieur ! Alors, coup nul ! Coup nul ! Coup nul ! Attends, attends, à moi de faire ! Qu'est-il ? Un paire. Il est paire. Oh, monsieur, c'est notre programme. Non, monsieur. Si, monsieur. Non, monsieur. Si, monsieur. Non, monsieur. Si, monsieur. Alors, coup nul. Oh, nous n'en sortirons pas. Roulez, le beau-père. En voilà un assaut. Nous ne pourrons jamais savoir. L'amour n'est pas une science exacte. L'amour ne nous demande pas de savoir. L'amour nous demande de croire. T'es comédien, toi, hein? Ah, j'en étais sûr. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, je débute, quoi. Je suis pas grand-chose. Mais bon, moi, je suis modeste, tu vois. Et c'est une qualité, ça. Ce n'est pas une qualité de comédien. Pile d'un houlon. Que nous avez-vous préparé? Un curry de légumes. C'est bien, ça. Ça me changera de la nourriture exotique. Bah, je plaisantais, ne vous inquiétez pas. Votre mère m'a dit que vous étiez végétarien. Ça, au moins, c'est vrai.